Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser des pompons en laine. Voilà, donc pour ceci, c'est très simple. Il faut d'abord prendre deux cartons. Ensuite, on prend deux récipients avec deux tailles rondes différentes. On fait le tour. Hop, un premier rond. Et le deuxième au centre du premier. Voilà. On obtient cette forme-là que l'on va découper pour obtenir deux ronds comme ceci. Hop, deux ronds en carton avec un trou au milieu. Ensuite, il nous faut de la laine. Alors, avec la laine, on va faire des petites pelotes comme ceci. Donc, c'est simple, hein. Moi, je tourne un peu autour comme ça. Hop. Je retire de ma main et je retourne encore un petit peu. Hop là. Et le principe. Hop. C'est de. Donc pour démarrer, on coince le premier fil entre les deux cartons et puis on va tourner comme ça autour des cartons. Donc le but du jeu, c'est de faire tout le tour, mais plusieurs fois, de faire plusieurs épaisseurs, jusqu'à obtenir ceci. Donc une fois qu'on a obtenu ça va être le moment de créer le pompon. Donc on fait un petit creux comme ceci. Il faut prévoir une ficelle. Donc là je l'ai fait de deux couleurs, hein. J'ai fait deux pelotes de couleurs différentes et je les ai tournées autour en même temps. Donc on écarte, on passe le ciseau entre les deux et on va découper tout autour en faisant attention que les petits fils ne s'en aillent pas. Hop, donc c'est assez difficile. Voilà. Hop. Voilà, ça vous fait plein de petits fils comme ça. Il faut essayer de les maintenir. Quand on a bien avancé, donc à peu près à la moitié, on prend un fil. Normalement, il faut prendre un fil de la même couleur, c'est mieux. Que l'on va glisser entre les deux, ici entre les deux cartons. On va continuer à découper. Donc surtout, prenez des bons ciseaux. Si vous avez des ciseaux de couturière, c'est encore mieux. Voilà. Au fur et à mesure, on avance le fil, on le rentre. Voilà. Vous pouvez faire des pompons de tailles différentes, suivant la taille de vos cartons en fait. Plus les cartons seront grands, plus le pompon sera grand, plus il est petit, plus il sera petit. Et plus vous ferez d'épaisseur autour de votre carton. Donc là j'ai dû en faire à peu près 3. Et plus vous faites d'épaisseur, plus le pompon sera garni, quoi. Voilà, donc là j'ai terminé. Hop, je finis de passer mon fil. Voilà, je rejoins mes deux fils. Je vais le croiser. Hop, serrer bien fort. Tac. Voilà, et après, je fais un nœud. Il ne faut surtout pas hésiter à serrer. Voilà. Et une fois qu'on a terminé, qu'on a bien serré les nœuds, on enlève toc, les cartons.
délicatement. Voilà. Hop là. Et voilà, un petit pompon. Voilà. Hop, donc un bicolore ou avec une couleur, comme vous voulez. Voilà. Au revoir.